Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 8ème épisode de Let's Play sur Escape Academy. Allez, on continue. Vous voilà, on est vedette. Nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Vous avez démarré fort et vous n'avez pas baissé le rythme. Vous avez réussi les qualifications pour la salle des rivaux. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, la petite Paisley, je pense que c'est mieux. C'est également qualifié, vous voilà face à un défi de taille. En effet, Gillian a un talent brut. Si elle apprend à le canaliser, elle deviendra redoutable. Je ferai mieux d'y aller, demain sera un grand jour, on a beaucoup de choses à préparer. Et je ne devrais pas vous dire ça, mais je suis de votre côté. Vous avez vraiment dépassé mes attentes. Vous êtes en bon chemin pour obtenir les 10 badges. Un avenir prometteur dans le monde de l'évasion vous attend. Je ne manquerai la journée de demain pour rien au monde. Très bien. Bah, on va parler vite fait à la salle informatique à Quanti. Salutations, vos performances m'ont mené à faire des ajustements sur mon algorithme d'évaluation. Je suis en train de réévaluer le corps étudiant en ce moment même. Ma directive est de favoriser un environnement produisant les meilleurs experts en évasion possible. J'ai plusieurs idées sur la manière d'améliorer notre efficacité. Par exemple, des soirées visant à resserrer les liens dans le but de booster la sérotonine. Ou une plus grande pression d'eau dans les douches du dortoir. Ou encore des simulateurs de stress obligatoires afin de repérer les faibles. Ce genre de choses. Goodbye. Très bien. Allez, on est parti. L'arène. La salle des rivaux, une difficulté 4, 35 minutes. On va essayer de le faire en moins, mais... Écoutez Jeb, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai essayé de gagner autant de temps que possible, la foule commence à s'impatienter, on doit lancer les hostilités. Ça ne ressemble pas à la directrice, elle n'est jamais en retard, pas pour quelque chose d'aussi important. Donnons-lui encore une minute. Allez, je suis prêt depuis que ce truc a été annoncé, allons-y. Je vais aller la chercher, vous n'avez qu'à commencer sans moi. Élèves et collègues, le moment est enfin venu de lancer la salle des rivaux. Le match d'aujourd'hui sera présenté par le professeur Slip et moi-même. C'est la plus grosse compétition dans l'histoire de l'école, de retour d'entre les morts, tout comme moi. J'en ai longtemps rêvé. Quand j'aurai fini avec toi, tu ne voudras plus jamais résoudre le casse-tête. On verra. Atteignez la ligne d'arrivée. What's good, Escape Academy? You are here with Slip and Eel. Time to find out which of our top students is in Apex first year! And they're off! Who will reach the end first, the red track or the blue track? Getting ahead of yourself, Slip. Let's see if they make it past the ballista. Okay. Try to keep up. No. Non plus. Mince. Non plus. Ça me paraît juste. Non, mince. Je sais pas. Bon, on va prendre tous les engrenages. Règles d'évasion, conseil de l'évasion, lève l'interdiction du sol en lave. Second phase. This is where things kick into overdrive. Megan, Mike, machin. Let's see what perspective they bring to this puzzle. Quels sont les noms que vous voyez tous les deux? Quels sont les noms que vous voyez tous les deux? Je vois Rachel. Je vois Wyatt. Thank you.
Non, c'est pas Rachel. Si je dois le lire dans le bon sens, c'est pas Rachel. Je vois Sarah, mais elle, elle le voit pas dans le bon sens. Mike, Timmy, Rachel, Megan. Je vois Max, Max, il est où Max? Il est libre Max. Bob, Sarah, Max. Hop. Jacob non, Timmy. This could tip the scales of the whole competition. Rouge, bleu, orange, vert, blanc. Hop, poids rouge, poids bleu, poids orange, poids blanc, poids vert. Let me know if you need some help. Alors, le rouge avec le bleu, c'est le bleu le plus lourd. Le bleu avec l'orange. Oh, attendez, non, c'est... C'était l'orange le plus lourd. Le bleu avec le blanc. Blanc est plus lourd. Le blanc est plus lourd que l'orange. Donc attendez. Blanc est plus lourd que l'orange. Blanc. N'est plus lourd que l'orange. Blanc est plus lourd que rouge. Donc l'orange, ça c'est fait. Blue's moving on. Blanc est plus lourd que bleu et blanc est plus lourd que vert. Ok, blanc c'est le plus gros. L'orange c'est le deuxième. Donc le blanc. Voilà. Avec l'orange, le bleu, le vert ça a l'air bien et le rouge. Ok, donc ça donne bleu, vert, rouge, les autres. Non, vert, bleu. Bleu et vert, il faut que je repèse bleu et vert. C'est le vert le plus lourd. Donc le vert est 3 kg et le bleu 2. Voilà, il me faut 7 kg, 9 kg et 14 kg. Ah oui, il y a des multiplicateurs en plus. 14 kg, c'est 2 blancs plus 2 bleus par exemple. 9 kg et 7 kg. 7 kg, bah, ça peut être 2 verts et 1 rouge. Mais le 9 avec juste l'orange, c'est pas possible. Le 9 kg, c'est 3 verts. Attendez, hop, si je fais ça, 3 verts, 9 kg. Il me reste rouge, bleu, orange et blanc pour 14 et 7 kg. 7 kg, 7 kg, c'est 5 plus 2. Et 14, c'est 3 fois 4 plus 2 fois 1. Donc, 7 kg, c'est 5 plus 2. 5 plus 2, donc c'est blanc et bleu. Ah, je peux en mettre qu'un seul, d'accord. Donc pour le 14, c'est plutôt 2 fois 5 plus 4. Et le 7, ce serait 2 fois 3 plus 1.
Bah oui, 2 x 5 plus 4, ok. 2 x 5 plus 4, l'orange. Et le 7, c'est 2 x 3, 2 x le vert. Normalement, je le vert, j'ai passé 3 x 2, 2 x 3 fois le bleu. Plus une fois le rouge. Voilà. We are halfway through. Eel, thoughts? If it were me out there, Slip, I'd be attacking those puzzles harder. But both Red and Blue are putting up a decent fight. Alors, ok, réinitialiser. Je vois pas trop. Donc il y a du violet, il y a du vert, il y a du orange. Ok. Et ça fait quoi exactement? C'est ça. Réaliser la combinaison avec moins de 10 rotations. Mince, réinitialiser. Ooh, a costly mistake. Alors j'ai quoi? Donc c'est rond, pique, trèfle, triangle, carré. Donc rond, il est là-haut. Oui, ça va être pique, trèfle. Ça va être donc le bleu, je dois le bouger 2. Donc ça va faire un violet et un vert. Un violet et un vert, tous les deux dans le sens horlogique. Voilà. Rond. Pique. Trèfle. Maintenant, triangle carré. Le triangle est là-bas, le carré il est là. Ok. Ensuite, ça va être losange. Donc, je dois faire un petit coup de violet déjà. Voilà. Et ensuite, ça va être le cœur. Donc, un petit coup de violet. Voilà. Un petit coup de vert. J'ai le triangle. Le carré il est là, donc je dois revenir en arrière. Blue track's going to the final phase. Hop, je dois revenir avec le vert. Comme ça. Le carré. Le losange. Et je dois revenir avec le vert. Hop. Et le cœur. We're in the last stretch of this competition now. Résolver seul pivotant de l'île en moins de 10 secondes. Oh, my favorite puzzle of all! The double-sided safe! Oh, le coffre-fort double face. Ok, alors il y a comme un podium. Donc bronze, argent, or. Il y a quoi? Une horloge avec pique, cœur, carreau et trèfle, la si, do, ré, mi, fa, sol. On a des flèches, on a des poissons ou des animaux, enfin. Okay. This is the end of the line for you. Je sais pas. Ouais, allez. Ok, d'accord. On a une face chacun et c'est le premier qui. Mais je vois pas comment je commence. Un genre de prise, ouais. Attendez, il y a des faces blanches, il y a des faces marron et des faces bleues. Il y a des faces blanches, marron et bleues. Ah d'accord, oui, j'ai compris. C'est
passer. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, ok. Voilà, une clé, clé de la vitrine. De quelle vitrine? Ici, j'imagine. Bingo, faites résonner le signal adoré. Le signal si... Non, la do ré. Non, mince. La do ré. Si la do ré. Attendez, hein. Ré si a do. Ré si do ré. Ré si. Non, ré si do ré. Non. Ah, fa ré si do ré. Mais non. Fa, ré, si, do, ré. Tu t'échapperas quand les cochons voleront. Médaille de bronze. Tu t'échapperas quand les cochons voleront. Les cochons voleront. Cette machine a besoin de billes. D'accord. Insérer une pièce. J'en ai pas. Quand les cochons voleront. Ok, oui. Cochon avec des ailes. Et cochon. Non, c'est chien ça. Cochon. Voilà. Au droite, au gauche, bas. Au droite, au gauche, bas. Pièce de 1 cent, pièce de 5 cents, pièce de 10 cents. Donc 2 cents, ça va être... insérer une pièce. Donc 2 cents, ça va être 1 et 1. Pour faire 12, donc c'est des pièces de 1, pièces de 5, pièces de 10. Donc ça va être 10, 10. Donc ça va être 1, 10, 5. Non, attendez, 1, 1, donc 5, 10, 10 et 1. Non? Non, attendez, il y a un problème là. Parce que là, ça fait pas 12. Non, c'est... c'est 1 ici et c'est 10 là-haut. Voilà. Carte à jouer. Roi 7, dame 3. Roi 7, dame 3. Roi de cœur. 7 de pique. Dame de carreau. Et au roi 3 de trèfle. Médaille d'argent, clé. Non, je m'en fous. B pour déplinguer. Voilà. Voilà. Cette machine a besoin de billes. D'accord. Mince, réinitialiser. Donc le vert dans le vert, le... l'orange dans l'orange. Donc... ici, il va tomber là. Il va tomber là. Non, il va tomber ici. Il va tomber ici. Il va tomber là. Ça va être donc d'abord du vert. Ensuite, il va tomber là. Il va tomber là. Il va tomber là. Encore du vert. Voilà.
Là, 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 ça va être du orange. Là, 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 ça va être du vert. Maintenant, ça va être du orange. Bingo. The safe is open. That's the match. No, 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 no. J'ai perdu. Comment est-ce possible? Le nom de PLA ne sera jamais synonyme. Sera-t-il jamais synonyme d'échec? Yeah. Wow, quelle performance! Vous avez écrasé la concurrence. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bon, je devrais faire ça avec la directrice, mais elle n'est toujours pas arrivée. Je suis tout de même fier de vous décerner le titre de virtuose de première Anne. Hey, tout le monde, j'ai une terrible nouvelle. Je cherchais la directrice dans son bureau et j'ai trouvé une lettre. Elle a démissionné. L'école ne peut pas fonctionner sans sa directrice. Qu'est-ce que ça implique pour les élèves? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Attendez, il y a autre chose dans la lettre. La directrice a laissé des instructions. Il semblerait qu'elle ait choisi un successeur pour s'occuper de l'école. Et c'est il. Ouais, c'est il, ouais. Moi, mais je viens à peine de revenir. Je veux dire, c'est un honneur et j'en suis bien évidemment plus que qualifié pour ce poste. Mais... Eh bien, Sandy a toujours de bonnes raisons pour faire ce qu'elle fait. Ça marche, j'accepte, pour le bien de l'Escape Academy. Je ferai honneur à la directrice. Je vous ferai tous honneur. Très bien. Ah, la doyenne est passée à côté d'une performance exceptionnelle. Ouais. On a résolu. On a tout compris. Désolé que c'est fini comme ça. Mais vous savez qu'il a gagné ça. Ok, très bien. Très très bien. Chapitre 3, troisième trimestre. Bon, ben on fera ça la prochaine fois. Hein. Dans le prochain épisode. Voilà. Ok. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et portez-vous bien, allez bye.